Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers jeunes, chères étudiantes, étudiants des universités et d'institutions d'enseignement postsecondaire du diocèse de Montréal, soyez les bienvenus à cette première messe qui nous rassemble au début de l'année académique. Dear young people, students of universities and post-secondary institutions in the Diocese of Montreal, welcome to this first Mass gathering, gathering us all at the beginning of the academic year. A warm welcome to you, dear Catholic campus ministers, chaplains, and leaders. Greetings to our friends and other Christian denominations involved in campus ministry. Je salue chaleureusement aussi les animatrices et animateurs, aumôniers et intervenantes pastorales en milieu collégial et universitaire. Bienvenue aussi à nos amis d'autres confessions chrétiennes engagés dans la pastorale sur les campus. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Vous arrive-t-il de faire l'expérience de la solitude? Solitude. Quand vous faites l'expérience de la solitude, que faites-vous? Comment surmontez-vous la solitude? How do you get out of solitude? What can you do when you feel lonely? La solitude a plusieurs dimensions. Il y a une dimension, c'est qui est la peut-être la plus évidente ou la plus immédiate, c'est la solitude du cœur. La solitude du cœur, c'est quand c'est d'avoir lorsque s'appauvrit dans notre vie l'expérience de l'amour, d'avoir l'impression que personne nous aime. Ou peut-être d'avoir l'impression qu'on n'a personne à aimer. C'est une forme de solitude, la solitude du cœur. Il y a aussi ce qu'on pourrait peut-être appeler la solitude de l'esprit ou la solitude de l'intelligence. La solitude de l'esprit, c'est lorsqu'on a l'impression que notre vie n'a aucun sens, que notre vie n'a pas de sens. Et c'est pas facile de vivre quand notre vie n'a pas de sens. C'est pas facile de vivre quand il manque l'amour dans notre vie, mais c'est pas non plus facile de vivre quand il manque de sens dans notre vie. On pourrait aussi parler de la solitude, peut-être d'avoir l'impression d'être seul à avoir la foi. C'est une forme de solitude aussi. Ce qu'il y a de particulier avec la solitude, c'est qu'elle peut devenir tellement comme intense, cette expérience de solitude, qu'elle devient insupportable, et qu'elle devient insoutenable. Et ce que l'on veut faire, c'est sortir de la solitude. Et il arrive parfois qu'on désire tellement sortir de la solitude qu'on est prêt à tout faire pour sortir de la solitude. Vous savez que si quelqu'un est pris dans le feu, dans une maison en feu, il faut qu'il sorte de la pièce, il ne peut pas rester là. Il fait tout pour sortir. Même si ça veut dire sauter du 10e étage, il faut qu'il sorte du feu. C'est insupportable. Il y a des moments où la solitude peut devenir tellement intense qu'on est prêt à tout pour sortir de la solitude, même si ça veut dire sauter du 10e étage, même si ça veut dire se lancer dans des aventures sans lendemain, même si ça veut dire s'exposer à des expériences dommageables, on veut sortir de la solitude. Alors, je vous invite, je n'ai pas de réponse toute faite à vous donner, mais je vous invite à réfléchir dans votre propre vie,
Comment surmontez-vous la solitude? Parce qu'il n'y a pas de vie sans expérience de solitude. Alors, si on parle de la solitude de l'esprit, la solitude de l'intelligence, quelqu'un pourrait dire, ben moi, j'étudie à l'université et au début, peut-être qu'on se dit, je vais apprendre, et sans se le dire dans ces mots précis, mais on peut avoir l'impression qu'apprendre, ça nous fait sortir de la solitude de l'esprit, parce qu'on apprend. On étudie, on apprend beaucoup. Mais quelqu'un peut bien avoir deux doctorats et vivre quand même l'expérience de la solitude. Parce que les questions que l'intelligence humaine est appelée à se poser sont diverses. Il y a la question « comment ça fonctionne? » Et c'est la science expérimentale répond à la question « comment ça fonctionne? » Et on découvre ce qu'on appelle les lois de la nature et on découvre comment ça fonctionne. Et certainement que c'est un acquis pour nous personnellement lorsqu'on étudie, un acquis pour la société, un acquis pour l'humanité. Mais il y a aussi une autre question que l'intelligence se pose. C'est pourquoi? Comment ça fonctionne? C'est une bonne question. Mais l'être humain a aussi d'autres questions. L'être humain a aussi d'autres questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'existe? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je m'en vais? Est-ce que ça vaut la peine de vivre? Est-ce que ça vaut la peine d'aimer? Quand je rencontre des moments difficiles dans ma vie, comment est-ce que je vais donner du sens aux moments difficiles que je traverse? Comment je vais me donner des raisons de vivre? Comment je vais renouveler ou approfondir mes raisons de vivre et d'aimer quand j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi ou en moi peut-être? C'est la question du pourquoi, la question du sens. La science expérimentale ou les sciences modernes donnent des réponses à la question comment, mais elles donnent peu ou pas souvent ou pas toujours des réponses à la question pourquoi. Pourquoi est-ce que j'existe? La question pourquoi est-ce que j'existe est une question très intime et très importante. Si tout va bien, si j'ai tout, entre guillemets, tout, j'ai tout ce que je veux peut-être, là, tout va bien, j'ai la santé, j'ai des relations, j'ai des amis, j'ai du succès dans mes entreprises, peut-être que le pourquoi apparaît comme moins important. Mais si j'ai un échec, si j'ai la maladie, si j'ai la solitude, tout d'un coup, la question pourquoi devient très importante. À quoi ça sert? À quoi ça sert de continuer de vivre? Vous savez que c'est une question qu'on peut se poser. Et c'est là que on peut, à la lumière de la raison, chercher des raisons de continuer de vivre et on pourrait développer certainement des raisons philosophiques. Mais c'est là que la foi, c'est un des lieux où la foi est une grande richesse. C'est un des lieux où la foi est d'un grand secours. Parce que la foi, en nous disant que Jésus-Christ est Dieu avec nous, que Jésus-Christ est Dieu pour nous, la foi vient nous dire, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi en Jésus-Christ, Dieu est avec toi par Jésus-Christ. Dieu est avec toi parce que Jésus-Christ, non seulement est venu dans le monde, mais il a donné sa vie pour toi sur la croix et il est ressuscité. Donc, Jésus-Christ est avec toi, Dieu est avec toi. Et cette présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est une présence qui vient apporter une lumière pour vivre, qui vient guider. C'est une lumière de sagesse, c'est une lumière de vie, c'est une lumière de force, c'est une lumière de paix. Et ça devient possible de trouver un sens à sa vie grâce à Jésus-Christ.
Ça devient possible de trouver un sens à sa vie qui s'applique, quelles que soient les circonstances de notre vie. Je suis en santé en Jésus-Christ, je peux dire merci et donner un sens, y donner un sens de générosité et de service. Je suis malade et j'ai l'impression que ma vie n'a plus de sens. En Jésus-Christ, j'y peux trouver un sens de solidarité, un sens de soutien, un sens d'encouragement. Je vis des échecs aux études, je vis des échecs dans mes relations avec les autres. Sur le plan humain, je peux penser que je n'arrive à rien, avoir l'impression que ma vie est finie. On peut avoir 20 ans puis avoir l'impression que notre vie est finie. Mais avec Jésus-Christ, je découvre une lumière qui vient me dire « Je t'aime, je suis avec toi et je vais te guider, je vais te fortifier, je vais te pacifier. » La foi en Jésus-Christ vient combler la solitude de l'esprit. La foi en Jésus-Christ vient aussi combler la solitude du cœur. Parce que la solitude du cœur, cette impression, cette expérience d'être sans amour, en Jésus-Christ, on découvre l'amour de Dieu pour nous, on découvre l'amour infini de Dieu pour nous, en même temps qu'on découvre qu'on est appelé à aimer, on découvre qu'on est appelé à aimer Dieu, à aimer les autres, on découvre que lorsqu'il y a en nous une soif d'aimer, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un rêve irréalisable, c'est une réalité. Je suis fait pour remplir une vocation à l'amour, et avec Jésus-Christ, je redécouvre, et j'approfondis, et je renouvelle ma vocation à l'amour. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ vient répondre à la solitude de l'esprit, vient répondre à la solitude du cœur, en apportant du sens dans notre vie, en apportant l'amour dans notre vie. Mais ça vient nous entraîner aussi un peu plus loin. Parce que Dieu est avec nous, en Jésus-Christ, Dieu est avec nous, Dieu est pour nous. Mais en même temps, Dieu nous appelle à être ensemble. En même temps, Dieu nous appelle à nous rencontrer les uns les autres. En même temps, Dieu nous appelle à nous faire solidaires les uns des autres. On comprend que découvrir qu'on est enfant de Dieu, c'est découvrir qu'on est frères et sœurs les uns des autres. Faith as such is made to be lived not only as one individual, but it's made to be lived with others. It's made to be lived with others in different way. If I have faith in Jesus Christ, and I know the love of Jesus Christ and the wisdom of Jesus Christ and the peace of Jesus Christ, I'm called to meet others and communicate that faith in Jesus Christ so that others won't be alone in their quest for meaning in their lives or in their quest for love, so that they'll know that Jesus Christ is there for them. So it's not only about me discovering that Jesus Christ is in my life, it's about helping others discovering the presence of Jesus Christ in their lives and the love of Jesus Christ for each one of us and for each one of the people that we meet. And it's also about getting together with others who have faith. It's not alone that I can go to others. It's with others that I go to others, reach out to others, meet others. It's about the body of Christ. As we get closer to Christ by faith, we become together the body of Christ. And being united to Christ, and being the body of Christ, both of those dimensions, they hold together. As we get closer to Christ, we get closer to each other. In each of university, whether it is Université de Montréal, McGill University, Concordia University, l'Université du Québec à Montréal, l'École de technologie supérieure, je rajouterais le Grand Séminaire de Montréal, l'Institut de formation théologique de Montréal, Challenge, le groupe des jeunes de la cathédrale et d'autres qui sont ici représentés. Partout, il y a de la solitude. Mais en même temps, partout, on est appelé à,
rencontrer, à se faire solidaire pour pouvoir communiquer qu'on n'est pas seul à avoir la foi. On est appelé à rencontrer d'autres personnes qui ont la foi pour, avec d'autres personnes qui ont la foi, aller vers les autres. Whatever your university, whatever the group, the pastoral group that is in your university, whatever the Christian group that live in the university, it's important to join. When you believe in Jesus Christ, it is important to join a community of Christians, because we're not made to believe alone. We're made to believe with others. So it's important to join a community of Christians and to be there in the name of Jesus Christ. Maybe it's difficult to find the time. Maybe you're not sure how things will go through the year. Maybe you want to be sure in advance that things will go well. We never know in advance. But you're called, I think, it's not about only about believing in Jesus Christ. It's about reaching out to those, to others who believe in Jesus Christ, so that together it becomes possible to witness to Jesus Christ. You know, was the biggest proof, that the best proof that Christ gave to his disciples to witness to the love of God. He said, "Love each other as I have loved you." So witnessing to Jesus Christ is first about building a Christian community, a Christian brotherhood, a Christian fraternity, a Christian solidarity, so that together we witness to the love of God that is present in our heart and that circulates among us, and to reach out to others. The experience of solitude is a common human experience, but at the same time, it's a very unique experience for each one of us. When someone feels alone, feels isolated, feels abandoned, it's a unique experience, because it's a unique experience to a person who is unique. Every human being is unique. Whatever the number of people, every human person is unique, is loved uniquely by God, as a child of God. So being a Christian, it's part of being a Christian to look out for other Christians. Don't live your faith alone. It's part of being a Christian to, with other Christians, to go into the world, to go to reach out to others. Because out there somewhere, sometimes often besides me, there's someone who feels alone, who is alone. So it's about reaching out with a smile, sometimes only with a smile, but to reach out to others who live solitude. Je vous invite à rendre grâce à Dieu, à demander à l'Esprit Saint, parce que c'est un don de l'Esprit Saint, à demander à l'Esprit Saint le don de la foi en Jésus-Christ, à demander à l'Esprit Saint le don du désir d'être uni à Jésus-Christ, le don du désir d'être disciple de Jésus-Christ, de marcher à la suite de Jésus-Christ, mais aussi à lui demander ce courage et cette force de rencontrer d'autres chrétiens, d'autres chrétiennes, afin, avec d'autres chrétiens, d'autres chrétiennes, de construire une communauté qui va avoir son rayonnement et qui pourra avoir des projets pour rejoindre d'autres personnes qui peuvent être blessées dans leur solitude. Et ça devient comme une piste. Ça devient comme une piste parce que des fois, on se demande comment rejoindre les autres. Des fois, on se demande par où commencer. Alors, je vous propose de penser à la piste de la solitude. C'est un chemin. Inviter les gens à des rassemblements. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui vit la solitude et qui va y aller parce qu'il va se sentir appelé à y aller. Quand on répond à un appel à suivre Jésus-Christ et que l'on, ensemble, devient une communauté chrétienne, lorsqu'on invite d'autres personnes à connaître Jésus-Christ, Dieu est à l'œuvre aussi dans le cœur des autres. Il nous précède dans le cœur des autres. Alors, ça vaut la peine de,
si on veut, de compter sur l'Esprit-Saint qui non seulement nous unit nous-mêmes à Jésus-Christ, qui non seulement nous rassemble comme corps du Christ, mais qui aussi agit dans le cœur des autres. The quest of the human heart is a quest for absolute. You can have an iPhone, and the day you get it, you're happy. A week after, it's not enough, so you get a Samsung. And then, and the day you get it, you're happy. And then but a week after, it's not enough. Then it's an iPad, and you're happy. I mean, how many screens do you need to live? When the absolute projects itself in quantity, it's never enough. Actually, the fact that it's never enough is a sign that our quest is a quest for absolute. And the only reality that can quench the thirst for absolute is the absolute. It's like a sign that we're made for the absolute, we're made for God, who's the only absolute. Quand notre soif d'absolu nous amène à accumuler objet sur objet, au moment de l'acquisition, on est très heureux. Peu de temps après, ça ne suffit pas. On en veut toujours davantage. C'est un signe qu'on est fait pour l'absolu et qu'on est fait pour Dieu. On est fait pour Dieu. Et ce qui est notre propre expérience est aussi l'expérience de tous, seul fait qu'on est des êtres humains. Tous les êtres humains ont soif d'absolu, tous les êtres humains sont faits pour l'absolu, tous les êtres humains ont soif d'amour, tous les êtres humains sont faits pour l'amour. Avec Jésus-Christ, on a le don extraordinaire, le cadeau extraordinaire, le talent extraordinaire d'avoir celui qui répond à toute soif d'absolu et à toute soif d'amour et à toute soif de vérité. Il y répond, quel que soit notre état de vie, quel que soit notre âge, quelle que soit notre santé, il y répond aujourd'hui, il a répondu hier, il va y répondre demain pour toute notre vie. Quand on découvre Jésus-Christ, on découvre la grande richesse de la vie qui nous accompagne toute notre existence. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. On a besoin de d'autres choses aussi. Mais la nourriture essentielle, c'est vraiment Jésus-Christ. So I'm very happy that you came here this evening to pray together. It's an occasion to meet Jesus Christ, but it's also an occasion to meet each other. So that afterwards, after the Mass, you'll be invited in what is called the narthex, the entrance of the cathedral, to stay a while to talk with each other. I invite you to do it. Talk to each other, discover each other, meet each other, and it will help you grow in faith in Jesus Christ, but also grow as a body of Christ. And where you are, in your family, in society, in your university or school or movement, then you'll be, as a Christian, witness to the love of God, but also together you'll learn to be witnesses, to witness to the love of God. Alors que cette célébration soit le début d'une année remplie de l'amour de Jésus-Christ, de la foi en Jésus-Christ, et en même temps où on fait l'expérience d'être le corps du Christ qui grandit dans la solidarité, dans la confiance, dans le soutien mutuel et dans l'espérance. J'invite tous les aumôniers et animateurs de pastoral laïque et de vie consacrée dans les universités et institutions à venir devant moi pour la bénédiction. Heureux êtes-vous qui œuvrez auprès de la communauté étudiante, vous êtes au cœur de la jeunesse, de ses joies et de ses espoirs, de ses tristesses et de ses angoisses. Soyez bénis pour votre présence auprès de cette génération. Blessed are you who read the signs of the times. At the crossroads of faith and science, you are bridge builders, educators of the heart and spirit. May you be blessed for your witness of a faith which seeks understanding.
Heureux êtes-vous qui vivez au quotidien la diversité avec les richesses et les défis des cultures, des religions et de la non-croyance. Vous êtes des acteurs d'un dialogue essentiel pour que vienne la paix. Soyez bénis pour votre écoute, votre patience et votre esprit de conciliation. Blessed are you who seek injustice and poverty, to denounce it, relieve it, and work to transform it. You are sent to the peripheries to be the hands and heart of Christ Jesus. May you be blessed for this discreet witness among those most vulnerable. Heureux êtes-vous qui célébrez la foi de l'Église en initiant et en faisant des disciples, en vivant la fraternité et l'écuménisme. Vous rendez l'Église visible par la joie et la prière. Soyez bénis pour ce travail d'unité et de solidarité. Que Dieu vous bénisse dans votre mission auprès de vos communautés étudiantes, qu'il fasse de vous un signe de miséricorde et de paix par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. May God bless you in your mission to the student community. May He make you a sign of mercy and peace through His Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Et maintenant, cette bénédiction s'adresse à toute l'Assemblée. Dear students, you are wishing in the name of Jesus Christ to be the light of the world, the salt of the earth in your campus communities. May the Holy Spirit guide you towards those who need a listening heart and a helping hand. May your joy and your works of mercy shine and testify to the unconditional love of God. Chers étudiants, vous êtes envoyés en mission au nom de Jésus-Christ pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Au cœur de votre campus, que l'Esprit-Saint vous guide vers la personne en besoin d'un cœur qui écoute et d'une main tendue pour aider. Que votre joie et vos œuvres de miséricorde resplendissent et témoignent de l'amour inconditionnel de Dieu. Permettez-moi de faire une annonce publicitaire. Dans vos institutions, il y a des ressources pastorales. Servez-vous-en. Elles sont là pour vous. Dans vos paroisses, vous pourrez faire des rencontres qui vont combler vos cœurs. Allez-y, visitez-les, malgré leur fragilité. Il y a des mouvements chrétiens, catholiques qui sont là pour vous accompagner. Il y a des résidences pour étudiants ou étudiantes ou pour gens qui cherchent un sens à leur vie, pour des chrétiens et des catholiques. Pourquoi pas y aller, faire un tour. Et là, c'est le pitch publicitaire. Essayez la résidence Ignace Bourget. La prochaine fois, ça sera le tour d'un autre. Là, c'était la résidence Ignace Bourget. Alors, I would say more that you're not alone to have faith in Jesus Christ. I would say, don't stay alone in your faith in Jesus Christ. Non seulement vous n'êtes pas seul, mais plus, je dirais, ne restez pas seul dans votre foi en Jésus-Christ. Les ressources, les personnes sont là. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Prière.
chanter.